Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et nous voici pour la suite de Breath of Fire 1. La dernière fois, on est allé faire des choses, on a vu des trucs, on est dans une taverne, on récupère un anneau, un petit donjon qui a pris une petite vingtaine de minutes à être fait et qui était ma foi fort sympathique. Et donc du coup, nous avons assisté à une cérémonie de mariage, tout le monde est content, oh là là, c'est trop bien. Et on s'est arrêté là. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir parce qu'on a fini avec ce village. Et ça, c'était pas prévu. Le robot de pierre a bougé. Grosse cinématique. Et le village juste en face est détruit, je ne sais plus lequel c'est. Oui, c'est arrêté, il faut partir vite. Vite, a bow, c'est avec toi que je contrôle parce que j'ai la flemme de changer. Ah, évidemment, là des combats. Est-ce que avec mes stats actuelles, je peux le battre? Parce que je rappelle que les stats augmentent de manière aléatoire lorsque l'on fait une partie. On peut faire exactement le même chemin, combattre les mêmes ennemis, les stats seront différentes si c'est deux sauvegardes. Donc je pense que comme ce jeu est en plus un petit peu bâtard, ça va être compliqué. Le temps que j'ai pas intérêt de refuser de combat parce que j'ai pas envie. Ah, je me souviens plus du chemin. Ah, ça va être embêtant ça. C'est embêtant. Je sais qu'il faut prendre ceux les plus loin de ce que je me souviens. Donc pas celui-là mais celui en bas. Le petit combat. Bon, un chevalier. Un petit liste de dégâts. Ah oui, j'aime ça. Oui, beau niveau 13, oui. Donc là, stat augmenté au pif. Je sais même pas si le nombre d'augmentation c'est du pif aussi. Et normalement c'est le dernier. Bingo. Sauf que petit objet. Ouh, beau qui a 105 points de vie, ça c'est magnifique. Je ne sais plus de combien augmenter ses PV, mais on s'en fout. Donc vite, le combat. Et ah mon dieu, le général se transforme. Et c'est un... Oh putain, qu'il est moche. Que tu es là. Bon, il me faut une stratégie. On va l'attaquer avec tout. Donc, objet, est-ce qu'il me reste un spoon? Un spoon C. Donc, pef. Nous, on va attaquer et. On va utiliser la clé qui est là. Ah, 52. Mon dieu. Ouh, un petit 60. Beau. On va utiliser givre. Ça m'énerve que moi j'ai pas de sort donc j'attaque. Et pouh, et puis Nina, je ne sais pas. On va utiliser la clé. Ouh, le petit dommage. Ça fait 30 la clé. Ah. Le gel. Ah, je suis à la moitié de la vie donc. On peut espérer que je ne décède pas. Quoique. Non, c'est bon. Je vais continuer d'attaquer et utiliser la clé. En fait, c'était. Quoique, je vais augmenter l'attaque sur le lieu. Oh, beau. Si je
fais givre. On va continuer givre. Nous on va continuer attaquer. Et Nana va va soin de surbo. Si j'ai le temps, ouais. Donc pour un 17 je prendrai une herbe. Pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Bon, attaque normale. Attaque normale aussi. Et est-ce que j'ai. Ouais, gland sur beau. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Alors. Non. Sort. Givre. Attaquer. Et sort sur un soin de. Sur lieu. Pour l'instant, j'ai initiative en combat avec Nina. Nina qui va aussi se soigner bientôt. Ah, il est en colère. Ah là là, il est en colère. Par contre, j'ai tous beaucoup en ce moment. On va continuer avec Givre. Là, par contre, je la sens pas. Là, je vous le dis, je la sens pas. Je sens qu'il va y avoir un décès. Ah là, ah là là, ah là là. Ah, ça va être le décès. Ah, Nina va décéder. Ah, je le sens tellement. Ah là, je le sens. Ah là là, je le sens tellement. Je sens qu'il va y avoir un mort. Je le sens, mais tellement fort. Bon, Nina, normalement, tu peux te soigner si t'as initiative. Soigne-toi, je t'en supplie. Ah, Bo est mort. Bo est décédé. Bon, tant pis, il ne bénéficiera pas de l'XP. Est-ce que je peux faire guérir? J'ai pas comme ça. Est-ce que ça va me... Ah, je ne peux pas. Bah, dans ce cas... améliorer la défense. Ah, ça recommence. 20 et... petit 23. Attaquer le Gremlins et soin de sur lieu. J'aurais peut-être dû faire un soin 2 sur sur elle. Je le fais au prochain tour. Allez le boss. Il est fini le boss là. Sors. Soin 2. Sur toi. Allez, ça passe. Je vais rebooster son attaque aussi. Ryu. Putain, je suis en train d'user toute ma magie. Non, là faut que je la soigne. Ah mais ce boss est chiant. Ce boss m'énerve. Ce boss est en train de m'énerver. Et faut que je soigne Ryu. Ah ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup là. C'est en train de m'énerver, vraiment. Je fais attention à ce que je fais par contre. Si j'augmente sa chance. Non, faut que je soigne Nina là. Faudrait peut-être aussi que je lui remette de la magie. Oh, tu es très chiant. Oh, tu es chiant. Bah, du coup. On fait une petite pause. Utiliser un gland pour qu'elle reprenne de la magie. Eh hey, mais dis donc, c'est chiant. Ah là là. C'est en train de m'énerver, mais tellement. Eh, hey, les boss, normalement, ils résistaient pas autant. Mais je mets du 25 par 25, c'est nul. Ah mais c'est nul ce qui se passe. Décevant. C'est décevant ce qui est en train de se produire.
Ah mais ça n'en finit pas. Ah mais ça n'en finit pas. Ah c'est horrible. Allez, on la boost avec les glands. Ah mais c'est horrible. Ah c'est long. Ah puis la initiative sur l'attaque. Ah va y avoir un mort. Ah elle va tellement mourir. Ah c'est long. Ah mon dieu. Ah c'est chiant. Ah c'est horrible. Ah mais je lui ai mis au moins 300 de dégâts dans sa gueule. Ah là là, la réalité du gameplay. Mais laisse-moi gagner. Est-ce que j'y crois? J'augmente la chance. Donne-moi un critique, s'il te plaît. Même pas de critique. Ah, mais je vais décéder. Non. Merde, oula. Ah, la mauvaise idée. Ah, les mauvaises idées. Ah, va y avoir un décès. Mais c'est trop lent. Et merde, fais un truc. Oh là là. Ah, ça m'est... Oh, critique à 50. Il meurt pas. Il meurt pas. Il veut pas mourir. Oh, c'est chiant. Oh là là. Je vais tenter un truc, mais je... Non. Ah, je sais pas. Ah, j'attaque. Vas-y, j'attaque. Alors, je donne tout. Oh, je donne tout. Ah, j'y crois. Oh oui. Ah, c'était ça. 1400 d'XP. Ah. Ah, ça m'énerve. Ah, je ne te laisserai pas me tuer. Là, il a disparu. Oh, le géant. Très belle cinématique. Le robot, mais que fait-il? La vache. Oh, j'ai dit une phrase. Je dis la vache. Et qu'est-ce que... Oui. Oui. Mais encore. Je ne sais pas. Ah. Il arrête de fonctionner. Il se plonge dans l'autre. Yay, traversons la rivière. Ah, il y a un petit truc là, c'est quoi? Attendez. Une petite maison. Oh, une chapelle de sauve. Ah non. Oui. Un melon.
de l'eau. Mais je contrôle que lui. Ah oui, je contrôle que lui. Ouais, et deuxième boss fight. Oh, j'ai contré. Si je survis, ça veut dire quoi ça? Eh, minute, j'ai pas sauvegardé. Bon, a priori, il me fait que des attaques basiques. Donc là, je vais me soigner. Je n'ai pas de sort. Donc, je vais me soigner, j'ai de l'herbe. Ah, il m'a attaqué avec un décès. Ah, je vois. Il y a un an. Ah, ok. Donc, je suis mort. Complètement. Bah, non, c'est bon. Avec ma foi. Ouais. J'en reviendrai. J'en reviendrai, t'inquiète pas, Billy. Ah, bah, ils ont récupéré toute leur vie, c'est trop bien. Et bah, du coup. C'est très bien, on va se laisser là. Alors, je sais pas comment je vais nommer cet épisode. Je pense que ça va mettre le boss le plus long du monde. Parce que c'est le cas. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Je suis désolé s'il est un poil court, mais voilà, ce boss m'a fait chier. Littéralement. J'espère néanmoins que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien, je t'invite à liker, à commenter, à partager la vidéo. À regarder mon contenu, et si ça te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux me suivre sur Twitter. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine.